Allô? Bonjour. Bonjour Allô? tout le monde. Oui, Vous bonjour. m'entendez? Bonjour, on vous Oui. entend. D'accord. Alors, la séance d'aujourd'hui sera une séance de questions-réponses. C'est vous qui allez m'adresser la parole. C'est vous qui allez m'adresser la parole. Et voilà, s'il vous plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais juste vous présenter la salle de cours. Chasse. Je suis en train de travailler, non? Hein? Ton corps est chaud? Non, ton corps n'est pas chaud. T'es pas malade. Ah, c'est la sueur. Ouais, excusez-moi, hein, il y a ma fillette qui. Anna, va la laver. Ah, d'accord, ok. Ce sont les aléas. Je suis désolé. Bien. Donc, des activités que vous aviez à faire sur l'espace de formation, en tout premier lieu, il y avait déjà à choisir un groupe. Vous l'avez fait. Après ça, quand vous avez fini de choisir un groupe, cette activité se découvre, c'est-à-dire la lecture de l'organisation du module. Quand vous avez fini de lire l'organisation du module, alors donc, l'introduction, hein, vous êtes ouverte. Ben, ceci dit, avant la section de l'introduction, dans la section de généralité, vous avez les outils de communication. La salle de chat, la salle de visioconférence où nous sommes en ce moment et la salle de forum des échanges. Ça fait un moment, je l'ai ouvert. Sûrement qu'il y a des questions qui sont posées. Comme j'ai dit, notre système de courriel automatique est un peu défaillant. Donc, j'ai répondu à certaines questions, à d'autres, non. On peut voir celui-là, par exemple, il est tout récent, depuis hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il a mis ça. Je ne sais pas pourquoi il a déposé ça ici. Hein? Moi, je ne. Ah oui, peut-être c'était pour communiquer avec les membres de son groupe. Voilà, ça c'est un travail en interne avec le groupe. Tout à l'heure, quand je vais donner la parole à Conan Châtelain Nguessan, il pourra s'expliquer. Mais ce n'est pas le dépôt du devoir, parce que ici, je ne peux pas corriger cela. Donc, ce n'est pas ici qu'on doit déposer. Je suppose qu'il a déposé ici pour que ses condisciples et lui puissent travailler là-dessus. C'est ce que je suppose. Voilà. Vous voyez qu'on peut noter les contributions des uns des autres. Ce qu'il a fait, je peux évaluer ça sur une échelle de 0 à 10. Voilà. Et toutes ces notes-là participeront, n'est-ce pas, à votre évaluation sommative. Alors, donc quand je sors, je vais dans généralité. On évalue les contributions dans les fora pour encourager les gens à intervenir, à contribuer, à aider leurs amis. Et ici, c'est le wiki collaboratif, et votre portfolio, c'est votre journal de la formation, c'est-à-dire tout ce que vous avez retenu de la formation, mais d'abord en commençant par vos petits aléas, vos petits travers, comment les connexions ont eu lieu. Enfin, c'est l'histoire, une histoire sociale de votre formation. Voilà. Vous pouvez mettre un peu d'humour dedans, même si vous voulez. Voilà. Et ça, je crois que certains ont commencé à travailler là-dessus. Alors, là, je vois tous les participants. Est-ce qu'il y a certains qui ont commencé? Si quelqu'un peut me dire qu'il a commencé parce que c'est en fonction de ça que ça s'affiche, quel groupe a déjà commencé à travailler? Bon, je ne vois pas de groupe administration du cours, je vois. Quel groupe a déjà commencé le wiki? Parce qu'il faut que je fouille d'abord.
Personne ne veut parler. Hein, je... Oui. Bonjour, professeur. C'est quel groupe? Équipe? Quelle équipe? Bon, comme le wiki, c'est équipe, équipe A, comme le wiki concerne 5 personnes, donc nous sommes en train d'abord de faire la synthèse de tout ce que nous racontons avant de positionner ça. Non, en fait, c'est pas ça l'idée. Vous pouvez, c'est écrit, mais vous pouvez modifier. C'est-à-dire que vous pouvez écrire directement. Vous pouvez modifier, corriger, c'est possible. Ah, voilà. D'accord. Et ah, d'accord. Ça d'accord. Permet de voir que vous travaillez. Hein? C'est, voilà. Ah, d'accord. Vous pouvez commencer dedans directement et travailler directement et modifier directement. C'est comme les Google Docs là. Comme ça, comme okay, ça, y a pas de problème. Voir qui fait quoi. Parce que quand je regarde l'historique, je vois oui. Qui a modifié, qui a corrigé, qui a fait ci. L'historique est là. Ok. Merci. Donc, nous allons voilà. Déposer ce que nous avons, nous sommes en train de faire voilà, déjà. Maintenant, vous continuez à travailler dessus. Et avant de travailler, vous faites okay. Comme ça. Bon, de toute façon, quand vous êtes dans un groupe, c'est le nom de votre groupe qui s'affiche. C'est-à-dire, si c'est un groupe équipe A de TD2, hein, c'est ça qui va s'afficher quand vous allez vous connecter. Voilà. Donc, voilà. Okay. Merci beaucoup. Donc, on passe, on finit avec généralité. Vous ferez le rapport, le groupe TD1, je ne sais pas s'il m'a remis le rapport, mais vous ferez, oui, je crois qu'il avait remis finalement. Donc, vous ferez le rapport de la séance actuelle aussi, aujourd'hui. Et là encore, moi, je vais vous déposer le lien de la vidéo aussi. Quand j'aurai accès à la plateforme e-formation, je déposerai là-bas pareillement aussi. Mais pour le moment, on va travailler ici. Dans tous les cas, toutes les preuves qu'on a travaillées sont là. Voilà, donc, bien, introduction. Quand vous avez fini de faire organisation du module, vous avez accès à l'introduction. Vous cliquez sur introduction. Voilà. Historique pédagogique, histoire pédagogique et CEP 85, ce n'est pas obligatoire. C'est pour votre propre gouverne. Ce qui est obligatoire, c'est j'apprends. Vous voyez qu'il n'y a pas de case à cocher devant ici. Il n'y a pas de case à cocher devant histoire. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, il y a les cases à cocher. C'est-à-dire que dès que vous avez fini, c'est coché. Donc, je passe. Vous avez vu que j'ai modifié ça un peu. Je crois que j'avais modifié, hein, sauf si je me trompe. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai modifié. C'est plutôt dans l'introduction. Dans la deuxième session. Voilà, donc, ici, vous pouvez passer à la page suivante, à la section suivante. B. Donc, je clique sur B ici. Je passe à la section suivante. Voilà, contribution des TIC dans l'enseignement de la physique chimie. TIC et ludification de l'apprentissage de la chimie au premier cycle. Historique et intérêt, ça c'est de la littérature que vous avez à lire. Donc vous lisez pour votre propre gouverne, j'aurais pu poser des questions là-dessus. Aujourd'hui, si tout le monde est connecté, ils sont combien là? Vous êtes 40 seulement, qu'est-ce qui se passe? J'attendais que tout le monde soit connecté aujourd'hui pour que je puisse vous faire ce TTR là. Je vous avais dit que j'attendais. Parce qu'en fait, vous êtes combien inscrits au cours? Utilisateur. Allô, professeur? J'écoute. Il y a certains camarades, comme demain, nous avons la visite médicale qui était à l'intérieur, actuellement, qui sont dans les cars. D'accord. Ah, donc, ah d'accord. Ils ne sont pas beaucoup dans la salle. D'accord. Non, mais c'est vous qui voyez. Essayez de vous mettre d'accord. Vous vous connectez à une heure. Vous êtes 102. Donc, essayez de vous connecter à un moment donné pour que je puisse, n'est-ce pas, vous donner les TTR là. Mais bon, c'est juste pour notre amusement scientifique. Hein. Si vous ne voulez pas faire aussi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très, très déterminant. Mais ça a son importance quand même. Mais le jour où vous voulez tous le faire, vous me dites. Alors, est-ce que le partage d'écran se poursuit? Oui. Donc, alors. Donc, j'étais ici. Alors, historique et intérêt, ça c'est de la littérature.
Je suppose que vous avez lu. Et après, il y a le TTR qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Sauf si vous voulez qu'on fasse ça. Maintenant, il y a Mission Enquête Express que j'ai essayé de revoir. Parce que, bon, la première fois que j'ai fait, bon, il y avait quelques imperfections. Mais vous savez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, quand un enseignant, quand il prépare son cours, s'il vous plaît, coupez votre micro chez vous. Monsieur Ibrahim Doumbia. Voilà. Donc, au fur et à mesure, en fonction des retours des étudiants, il modifie son cours. La mission enquête express, ce n'est pas une enquête en tant que telle, hein, mais là, c'est comme un cours, c'est comme une leçon qu'on vous donne. Donc, c'est pas le jeu n'est pas là en ce moment. C'est dans le deuxième exercice qu'il y a le jeu, qu'il y a l'évaluation, que j'appelle jeu, bien sûr. Moi, les notes, c'est comme un score pour moi. Donc, couleur de la solution, vous cliquez dessus. Voilà, la solution soit elle est incolore, soit elle est colorée. Si on choisit par exemple colorée, on lit quand une solution est colorée, qu'obtient-on après réaction avec la soude? Donc, réaction avec la soude. Voilà, précipité. La couleur du précipité est caractéristique d'un ion particulier. Donc, si c'est vert, par exemple. Voilà. Alors, si c'est vert, ça donne c'est l'ion fer 2. Alors, ici, je n'ai pas ça encore. Il y a une correction à faire tout à l'heure après le cours. Parce qu'en réalité, je l'ai fait pour les solutions colorées, mais pas pour les solutions incolores. Et pour les, je l'ai fait pour les solutions incolores, mais pas pour les solutions colorées. Et là, je viens de les découvrir moi-même. Donc, je clique sur incolore. Voilà, réaction avec chlorure de barium, sulfate de sodium, nitrate d'argent, etc. Je prends ça par exemple. Alors, est-ce que je n'ai pas supprimé le mauvais fichier? Je suis désolé, hein. Non, je suis désolé. Alors, je suis désolé. Je vais revoir ça parce qu'en fait, apparemment, j'ai. Non, 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 j'ai supprimé le mauvais fichier, je suis désolé. Bien, donc c'est pas grave. Je vais refaire, mais dans tous les cas, vous êtes encore dans l'espace du cours, vous verrez ce qui a changé. C'est ce que je voulais vous montrer. Mais j'ai modifié, apparemment, après modification, c'est ce qui est bon que j'ai supprimé et puis j'ai gardé l'ancien parce que je duplique avant de modifier. Bon, c'est pas grave, je vais refaire et puis vous pourrez revenir dessus après. Bon, donc, on revient là. Après ça, après ces tests-là, vous pourrez faire la récapitulation maintenant, ici. Voilà, il y a 133 personnes. Moi, je prévisualise. Bon, je peux faire le test. Et là maintenant, vous avez par exemple aspect de la solution colorée incolore, ion présent, couleur de précipité. Alors quand c'est bleu, quel est l'ion présent? Il s'agit, à la suite de l'activité précédente, Mission Enquête Express renseigne le tableau ci-dessous. Donc aspect de la solution, elle est colorée et le précipité est bleu. Donc, on vous demande quel est, n'est-ce pas, l'ion qui est présent. Vous cochez, vous pouvez même cocher plusieurs ions, ainsi de suite. Et puis, vous sélectionnez les ions présents en fonction. Ici, par exemple, c'est une solution incolore. Voici les ions présents. Couleur précipitée, c'est blanc. Ici, c'est blanc. Et donc, c'est quels sont les ions qui sont présents. Vous cochez, ainsi de suite. Voilà. Et vous terminez le test. Coupez votre micro, s'il vous plaît.
Donc, quand on a fini ça, que quelqu'un coupe son micro, s'il vous plaît. Quand on a fini ça, alors, on vient à... Vous êtes en... Ça, c'est la fin du premier cycle. Après commence le second cycle. Vous êtes professeur de PL, donc vous êtes professeur PL, donc vous avez les deux cycles. Donc, c'est important que vous fassiez. Vous avez vu que j'ai mis une case à cocher devant. Donc, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc, c'est important que vous fassiez l'épreuve sur de chimie en troisième. Voilà, il y a un résumé d'essentiel à retenir. Il y a un résumé d'essentiel à retenir ici que vous pouvez jouer et lire. Enfin, je le dis pas pour vous forcément. Voilà. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voilà. Et donc, vous pouvez... c'est aussi pour vos enfants parce qu'il y a un espace scolaire ici. Quand vous cliquez là, vous avez accès à tous nos exercices en libre accès, hein, c'est pas payant. Donc tous vos enfants vous peuvent venir s'entraîner 3e, 4e jusqu'en terminale. Et les épreuves de BEPC, de CEP, de baccalauréat sont là. Donc pour votre propre programme. Et là, c'est un extrait que je vous ai donné ici. Et ça a été proposé par un de vos aînés, PL. Je crois il est 2 ans en avance sur vous en PL. Il était PC. Donc Karaboua Franck, il est à Rissa-Dagamé. Et donc, c'est lui qui a proposé ces exercices-là. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez proposer des exercices en guise de remerciement à EduWeb. Donc, si vous proposez des exercices, on mettra vos photos comme ça pour vous dire merci. Alors, donc, ces exercices-là, vous les faites. Vous les faites. Et quand vous avez fini, mettez l'équation avec les coefficients stoichiométriques là. Voilà, là. Et vous cliquez terminer le test. Voilà, une fois c'est fait. On retourne à ça. Vous aurez votre note. Toutes ces notes-là, c'est la moyenne de tout ça qui fait votre note sur mon chose, hein, mon, comment on appelle. Elle a dit, je vais prendre une partie de ces notes-là comme évaluation. Évaluation. C'est-à-dire, devoir de contrôle. Et puis, je vais prendre une partie comme note d'examen, puisque c'est un cours pratique. Donc, la note d'examen sera là. Donc, ça a dit, c'est 2 notes. Que vous êtes en train de jouer actuellement. Note de devoir, contrôle continu et puis note d'examen. Parce que c'est la pratique, donc vous n'aurez pas à composer sur table. Donc vous êtes en train de jouer 2 notes en même temps. Je vous préviens pour ceux qui s'amusent. Alors donc, TIC et l'éducation au second cycle. Alors au second cycle, on va compliquer un peu. Là, on va faire un TP, TP de dosage acido-basique. On peut faire des coulométries ou bien conductimétrie et autres, tout ça, enfin, par pH, les dosages par pHmétrie, par conductimétrique, etc. Mais c'est la pHmétrie que je vous ai montré ici parce qu'en fait, je pense que c'est la pHmétrie qu'on voit au lycée. Voilà. Donc, comment utiliser? Il y a une vidéo qui l'explique. En fait, Oui, bonjour. Bien, vous aurez à utiliser dans votre... avec le e-learning, on privilégie l'auto-formation pour que le maximum de personnes aient droit et accès à l'information, à la formation. Donc, les tutoriels, là, le professeur a déjà parlé, il a enregistré, il a déposé. Donc, vous écoutez et vous ne faites que faire ce qu'il a dit. Je félicite à ce propos le groupe D, n'est-ce pas? Le groupe D du TD1, l'équipe D du TD1 qui a... Fermez votre micro, enlevez bien. Enlevez bien, fermez votre micro. Je félicite à ce propos l'équipe D du groupe de TD1 qui a très rapidement, depuis avant-hier, déposé, n'est-ce pas, son devoir et ça a été très bien fait. Il a bien compris l'esprit même. Voilà, j'aime bien que les étudiants comprennent comme ça. Et n'empêche, vous pouvez donner des conseils aussi à vos amis. Nous sommes dans un processus d'apprentissage collaboratif. Nous ne sommes pas dans une dynamique concurrentielle. Parce que nous voulons former des personnes de même niveau qualitatif pour aller enseigner nos enfants dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Donc,
Si M. Kwame, il est du groupe 1, il a mieux compris, il peut expliquer à M. Traoré, qui est du groupe 3, hein, qui ne comprend pas encore. Qu'il ne dise pas que non, je vais être le meilleur, je vais cacher ce que je sais, je ne vais pas dire à Traoré, je ne vais pas dire à Trazier, je vais rester... Mais après, quand Traoré et Trazier vont sortir, même s'ils ne sont pas les meilleurs, supposons qu'ils sont piètres, mais ce sont tes enfants qui vont enseigner après. Donc, entraînons-nous, accompagnons-nous, voilà, dans le processus de la formation. Maintenant, à l'évaluation, quand on sera en classe, voilà, chacun compose pour lui, mais pas toujours pas dans un esprit concurrentiel. Hein. On sera, quand vous allez composer, la composer dans un esprit tel que vous allez évaluer vos acquis. Est-ce que les compétences qui sont requises pour votre formation, est-ce que vous les avez? Donc, c'est dans cette disposition d'esprit que vous allez, n'est-ce pas, composer à un examen. N'allez pas dans un esprit concurrentiel. Si vous allez dans un esprit naïf, simple, gentil comme ça, Dieu même va faire de vous le meilleur, c'est tout. Voilà. Mais n'allez pas déjà dans un esprit concurrentiel, mesquin et tout, où vous posez des pièges à vos amis, mais malgré vos pièges, vos amis avancent. Voilà quoi. N'ayez pas cet esprit-là, parce que après, ça, c'est des esprits qui se manifestent dans vos milieux professionnels. Et bon, la honte est sur vous après, parce que celui contre qui vous agissez, lui, il avance quoi. Donc, entraînez-vous. Après ça, quand vous avez fini de lire ces vidéos, comment manipuler Dosaque, vous voulez bien savoir les consignes d'apprentissage. Alors, il faut lire les consignes d'apprentissage avant de voir, de rendre actif l'espace de dépôt. Parce que quelque chose, tu ne sais pas ce qu'on t'a demandé, comment tu vas aller déposer. C'est pour ça que j'ai caché ça et j'ai rendu ça accessible à la seule condition d'avoir lu les consignes d'activité d'apprentissage. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous lisez les consignes et vous savez ce qu'on vous demande. Une fois que vous savez ce qu'on vous demande, vous pouvez cliquer directement ici pour aller dans espace de dépôt de devoir, pour déposer vos devoirs, ou bien vous pouvez retourner dans B, section B, contribution. Et quand vous avez fini de faire vos devoirs, vous cliquez ici, espace de devoir, de devoir. Et ben, supposons que je suis dans le groupe TD2, moi j'ai la liberté de choisir, hein, mais vous, ça vous sera imposé. Voilà. Moi, je peux voir tout le monde, voilà, voilà. Mais vous, c'est votre groupe qui sera imposé. Et donc, vous pourrez consulter. Moi, je consulte les travaux. Mais vous ne pouvez pas consulter les travaux. Le bouton qui sera offert ici, c'est juste déposer les devoirs. Et donc, vous allez cliquer pour déposer votre devoir. Bon, je vais juste nourrir votre curiosité. C'est comme ça quand je veux noter. Bon, ici, rien n'est déposé. Rien n'est déposé, donc non évalué. Alors, je vais chercher. Je ne sais pas si ceux qui ont déposé leur devoir là, s'ils sont là. Voilà. Ils sont là, monsieur. Voilà, Rémi, j'ai retrouvé ce groupe dès que je cherchais. Voilà, donc moi je consulte. Voilà, ils ont remis. Je consulte leurs travaux. Vous savez que quand un seul dépose, tout le monde en même temps déposé. Donc, puisque c'est un travail d'équipe. Vous voyez qu'il y a un seul qui a déposé. Et finalement, alors, est-ce que c'est l'équipe D? Je veux bien savoir. Parce qu'apparemment, je n'ai pas encore noté ça. Ah, donc ça, c'est un nouveau dépôt. Je n'ai pas encore noté ça. Donc, vous voyez que quand il a déposé, c'est une seule personne qui a déposé. Et voilà, quand la seule personne dépose, c'est déposé dans le casier de tous les membres de l'équipe en même temps. Voilà, c'est déposé dans les membres. Et même quand je veux noter, je clique sur une note. Je vous le dis parce que vous êtes des professeurs. Demain, peut-être dans vos lycées, vous voudrez travailler avec EduWeb et évaluer vos étudiants. Donc, en même temps, vous apprenez comment on évalue les élèves. Vous pouvez faire travailler vos élèves. Je suis open, hein, je suis open.
Vous pouvez dire, docteur Zoro, je veux que mes étudiants, mes élèves déposent leur exposé sur la plateforme. Il n'y a pas de problème. Comme ça, vous n'aurez pas à trimballer les paquets de copies pour corriger. Hein? Vous voyez déjà ici à l'écran, vous lisez. Hein? Voilà, vous lisez. Et là, il y a un petit souci. Il n'a pas joint sa courbe. Voilà, il n'a pas joint sa courbe. Il y a un fichier annexe. Il n'y a pas de fichier annexe. Voilà, il aurait pu faire sur deux pages. Il n'a pas joint sa courbe. Voilà. Mais là, je ne vais pas noter devant vous, sinon ça... Docteur. Okay. Pour le groupe TD3D. Hein? On a déposé. Voilà. TD3D. Non, mais je suis en train de voir ça déjà. Dans tous les cas, je ne vais pas corriger devant tout le monde ici. Hein. Après, je vais donner les notes. C'est les concernés qui vont avoir la note. Donc, ne vous inquiétez pas. Juste voir pour nous. Il n'y a pas de problème. Je vais afficher ça. C'est pour vous rassurer. Il n'y a pas de problème. On a 2 heures de cours, mais bon, ça va. D'accord, bien, merci. Pour ceux qui veulent que j'affiche, je vais afficher pour avoir le cœur net. Voilà, donc question, voilà. Et ça, c'est l'objectif. En fait, je vais vous former à pouvoir questionner les élèves sur des données que vous avez. Aujourd'hui, dans les lycées et collèges, on n'a pas du matériel. Donc, si vous pouvez simuler et générer des points et permettre aux élèves de travailler, pourquoi pas? Donc, les simulateurs sont là pour ça. C'est ça aussi le TIC dans l'enseignement de la chimie. Voilà. Donc, je vais évaluer plus tard. Je ne vais pas évaluer devant tout le monde ici. Donc, j'ai mon opinion déjà. Voilà, il n'y a pas de courbe. Hein. Ça fait déjà quelque chose en moins. Docteur, s'il vous plaît. J'ai une préoccupation. Laquelle, hein? J'ai une préoccupation. J'ai déposé j'ai déposé la courbe, mais j'ai voulu déposer maintenant la consigne à ses pas. Donc, c'est uniquement que la courbe qui est passée. Et j'ai voulu modifier pour pouvoir déposer la consigne, je n'arrivais pas. Donc, c'est comme ça, j'avais le tableau. C'est le premier papier annexe seulement qui est parti. Et la consigne, et puis le deuxième papier annexe où se trouvait le tableau n'est pas passé. Bon, j'ai tenté de modifier, je n'ai pas pu. C'est le groupe TD2C. Après, vous m'envoyez un message par WhatsApp. Merci, docteur. Ouais, donc, pour. Oui. Comme je n'arrivais pas, le forum, bon, je suis allé déposer ça, tout ça dans le forum là, c'est non, passé. Non, c'est pas dans le forum, je vais corriger. Vous m'envoyez un SMS pour que j'annule votre premier dépôt. Merci, docteur. Merci, docteur. Docteur, s'il vous plaît. Oui, quelqu'un avait demandé d'acheter. Allô, c'est moi. Celui qui a fini de parler. Celui qui a fini de parler, qui. Celui qui a fini de parler, qui désactive son micro. Celui qui a fini de parler. Qui a fini de parler? Voilà. Allô? Oui. Voilà, c'est moi qui ai la parole maintenant. C'est le groupe TD3D. Voilà, donc j'y vais. TD3D. TD3D. Voilà, il y a un dépôt. Je consulte les travaux remis. Voilà, les copies sont là. La prochaine fois, je souhaite que vous convertissiez en PDF avant de déposer. C'est plus facile. Voilà. Donc, note. Parce que vous voyez, quand c'est en PDF, on n'a pas besoin de télécharger. Mais en Word, on doit télécharger d'abord. Parce que le PDF s'intègre directement au système. Voilà, Word. Je suis obligé de... télécharger. Oui, alors. Alors. Oui, je ne vous ai pas appelé, vous me dites où. Bonjour, docteur. Bonjour, laissez-moi répondre à la question de quelqu'un d'autre. D'accord. Alors. Donc, Télé 3.2, vous avez déposé, hein. Mais comme ce n'est pas en PDF là, ça ne s'affiche pas directement sur l'écran. Mais ce n'est pas grave, vous avez déjà déposé, ce n'est pas la peine de convertir en PDF. Je vais lire.
Je vais lire. Ça s'ouvre sur un fichier séparé, donc vous ne pouvez pas voir ça à l'écran. Voilà, je vois que vous aussi, ah non, tiens, vous avez fait la courbe. La courbe est à la fin. La courbe est à la fin en annexe. C'est bien, c'est très bien. Voilà, c'est bon. Ok, donc je vais prendre le temps de lire. Et là, c'est l'acide chlorhydrique et puis la solution aqueuse d'éthanamine. Très bien. En tout cas, je suis content que vous variez vos molécules. Je suis content que vous variez vos molécules. Et ça montre que chacun a fait un travail de recherche et a exploré l'application. Voilà. Donc, oui, question. Je vous donne la parole. Question. Oui. Oui. Ok. Je voulais savoir. Il faut déposer directement. Allez le faire aussi sur Google Docs. Comment? Est-ce que c'est possible? Vous permettez qu'on le fasse sur Google Docs aussi ou bien c'est seulement sur Google Docs? Vous n'avez pas besoin de déposer sur Google Docs. Je vous ai donné les consignes. Les consignes sont claires, non? Ou bien? Les consignes sont claires. Lisez là. Non, comme c'est un travail de distance, j'ai pensé que chacun de vous fait une partie et puis non, bon. Non, non. Je suppose que vous avez travaillé en équipe. Ça c'est entre vous là-bas. D'accord. J'avais voulu créer un espace de chat d'équipe. Mais voilà, je. Mais par exemple, le wiki, ça fonctionne comme Google Docs. Donc vous aurez pu utiliser le wiki par exemple pour travailler. Vous m'entendez? Je suis là. Vous aurez pu. Le Wikipédia, moi je l'ai déjà travaillé dessus. Voilà, je dis que vous et vos membres d'équipe, vous devez travailler, préparer votre travail dessus. Ça fait partie de l'histoire de votre formation. Voilà. Et là, je vois qui a fait quoi jusqu'à la fin. Tout ça, ça devait être raconté aussi dans le Wiki. Le déroulement même pouvait être fait dans le Wiki. Voilà. Question voilà. Ah, d'accord. On ne savait pas. Prochainement, on va le voir. Merci bien d'accord. Alors, question, vous désactivez votre micro, quand vous avez fini, vous désactivez le micro. Oui. Bonjour, docteur. Je suis Dombia Youssouf, TD1, groupe G. Oui, je vous écoute. Voilà, donc on a rédigé le TP, on a déposé, mais mon intervention, c'est par rapport à la courbe. Oui, oui. Quand on a construit la courbe sur un papier millimétré, j'ai pris la photo. Donc, quand on a inséré, dans la page Word, parfois ça fait des déformations un peu. Mais les données, on a pris les données directement sur le papier millimétré pour répondre à la suite des questions. Non, mais vous ne devrez pas faire la courbe sur papier millimétré. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Hein? Ce que vous devrez faire, c'est plutôt la courbe est générée par la machine. Dose à queue. La courbe est générée par dose à queue. Pardon? La courbe générée par dose à queue qu'il faut utiliser. Il ne s'agit pas pour vous de construire sur papier millimétré. Ah. Vous avez mal compris les consignes. Et ça fait dans l'évaluation. Merci. Alors, suivant. Docteur. Est-ce que vous pouvez présenter l'exercice de B? L'exercice B. Quel groupe, pardon? Groupe 2. TD1B. TD1B. Oui, vous avez déposé. Je vois bien que vous avez déposé. Vous êtes content de votre note? Oui, il est fier, c'est pour ça qu'il veut que on présente. J'avais déjà posté dans le groupe WhatsApp. Qui a posé la question? Mais vous connaissez votre travail et puis vous voulez que je présente à tout le monde. Non, mais c'était pour présenter l'image à lui et ainsi de suite. Ok, moi j'ai une préoccupation. Oui, j'écoute.
Docteur? Docteur? S'il vous plaît, je fais partie du groupe TD1, équipe D. Bon, en le document, j'ai oublié dans donc j'aimerais que pour une doléance, vous supprimez pour que je puisse envoyer à nouveau le document avec non, la coupe. C'est un devoir, s'il vous plaît. Si on veut jouer à ce jeu-là, c'est comme si tout le monde doit répondre le devoir. Hein, accepter, assumer, les consignes sont claires, les autres ont réussi à le faire, vous n'avez pas réussi, ayez un comportement de samouraï. Voilà. Parce que si on veut jouer à ce jeu-là, on va répondre pour tout le monde. Chacun dira non, est-ce que vous pouvez arriver? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, ayez un comportement de samouraï. Oui. Voilà, vous n'avez pas bien compris les consignes. Docteur, non. Docteur, je vous comprends, mais en fait, j'avais fait deux fichiers. En fait, je ne savais pas qu'il fallait mettre ça sur la même page, pour pouvoir vous envoyer. Donc, quand j'ai envoyé, j'ai eu à communiquer avec mes dévanciers. Ils m'ont dit qu'on pouvait modifier à nouveau, mais j'ai eu du mal à modifier. Non, raison pour laquelle ça, je demande cette audience. Modifier à nouveau là. Les dévanciers, ils avaient ce droit-là. Oui, oui. Mais ce n'est pas tous les jours. Moi, c'est un devoir. J'ai dit, on ne peut pas modifier. J'ai paramétré qu'on ne peut pas modifier. C'est un devoir. Vous avez dit pour faire. Ceux qui ont pu modifier pour eux, là, ça, c'est quand c'est un truc d'entraînement. C'est un truc d'entraînement, ils s'entraînent, ils peuvent modifier. Ils peuvent faire. Mais c'est pas, c'est le professeur qui paramètre la plateforme. Non, assumer, mais c'est pas grave, hein, assumer, mais vous aurez la moyenne, c'est sûr, mais si on veut jouer ce jeu, on doit répondre pour tout le monde, et c'est pas bon, dans un processus de formation. Bon, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, c'est pour vous dire que je comprends, quoi, mais je comprends, mais c'était juste pour voir si on pouvait, en tout régler ce problème pour nous. Prenez-moi aussi. Pour vous là, tout le monde, toute la classe, les 5 personnes vont dire non d'annuler pour eux, ils n'ont qu'à répondre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, docteur, il y a un même qui vous a posé même cette requête là. Vous lui avez dit de lui envoyer, vous envoyer un message sur votre mail là pour que vous puissiez répondre. Il a eu le même problème que moi. C'est le fichier. Pardon. C'est le groupe TD, groupe de TD2, groupe de TD2C. D'accord. Nous on n'a pas le même problème. On a envoyé l'annexe d'abord. On a voulu envoyer le devoir. Maintenant c'était bloqué. Nous voici le problème qu'on a eu. Donc c'est pas la même chose. C'est l'annexe que j'ai envoyé premièrement. Le premier annexe, la courbe. Donc quand vous allez voir que la courbe du groupe TD2C est parti, mais la consigne et puis notre tableau ne sont pas partis. Parce que c'était voyez, on n'a pas eu le même problème. Donc apparemment c'est le même problème. Moi j'ai envoyé le. Oh, oui. Hein? Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, docteur. bon, apparemment, c'était là ma préoccupation, mais si déjà je n'ai pas une suite favorable à cette préoccupation-là, je n'ai plus d'autres choses en tout cas à vous dire. Bon, après je pense qu'on va discuter. Allô, docteur? On peut poursuivre le cours sur WhatsApp après. Enfin, je vais dire. Allô, docteur? Oui, je vous écoute. On peut poursuivre la discussion sur WhatsApp. Allô, docteur? D'abord, je suis docteur. Oui, hein, c'est Guy. Oui, Guy, monsieur Guy. Oui, bon, docteur, en écoutant les préoccupations des collègues qui ont déjà fait le dépôt, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que bon, est-ce que si on a des annexes, on attache tout au même moment? Oui, c'est un seul dépôt. Donc, quand vous avez pas d'annexe, vous pouvez mettre tout sur un même fichier.
On met tous sur un même fichier. On met tous sur un même fichier avant de déposer. Ça, c'est possible, non? C'est sur quoi est-ce que vous travaillez? Ok, voilà. C'est possible. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, autre préoccupation. Vous nous donnez juste un temps pour le dernier dépôt. Bon, j'ai dit samedi. Je demande cela parce que. J'ai dit samedi. Waouh. J'ai dit samedi, mais si vous voulez, on peut attendre jusqu'à lundi. Comme ça, le week-end, vous travaillez. Vraiment. Okay. Vraiment, merci. En fait, demain, on va tous aller à l'INS pour notre visite médicale. Enfin, on va attendre jusqu'à lundi. Donc, pour beaucoup, ils sont dans les cas, on s'en va pour ça. Lundi. Merci, lundi. Merci docteur. Je dis une minute. Allô, bonjour, docteur. Allô, bonjour. J'ai une préoccupation en ce qui concerne le logiciel d'Osaka. J'ai voulu prendre comme base les diéthylamines. Fouillé dans la liste et j'ai pas vu cette base là, le diéthylamine. Bon, c'est un autre. Je ne sais pas comment. C'est un individu comme vous, hein. C'est un de vos collègues enseignants aussi qui a conçu. C'est un Français. Donc, s'il n'a pas répertorié le diéthylamine, bon, vous ne choisissez pas. Voilà. C'est pas une création de Dieu pour dire que toutes les espèces existent. Vous comprenez? Oui, d'accord, on comprend. Peut-être que les prochaines versions, ils vont augmenter le nombre de molécules chimiques, mais les molécules chimiques, il y en a. Je ne dirais pas une infinité, mais c'est tout comme. Donc, un être humain ne peut pas les créer tous. Voilà. On a eu le même problème. Voilà pourquoi est-ce qu'on traîne jusqu'à actuellement. Donc, en fait, vous nous conseillez de prendre ce qui est dedans. S'il y a des bases qui existent, vous choisissez ce qui est dedans. Oui. Vous choisissez ce qui est dedans. D'accord, ça marche. Ça marche. Ça marche, ouais. Ça marche. C'est le problème qu'on avait. Ouais. Merci, docteur. C'est le problème. La posez là dans le groupe WhatsApp. Vous n'avez pas besoin de garder le silence. Le travail se fait de façon continue. Dans le groupe WhatsApp, dans le forum, vous posez vos problèmes. Allô? Oui. J'écoute, hein. Oui, allô? J'écoute. Oui, c'est concernant l'activité TTR. Oui. Oh, il sait. TTR, vous dites quoi? Je n'entends pas bien. Vous avez une mauvaise connexion. J'aimerais faire l'activité TTR. Ah, non, mais tout le monde le fait ensemble. On ne le fait pas comme ça individuellement. Donc, quand on aura fini avec les questions, on va finir par TTR. Comme ça, tout le monde est là. En attendant que les gens. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Autre question? Autre question? Allô, professeur? Oui. Allô, professeur? Est-ce que par rapport au groupe, on peut faire sous forme d'un petit rapport? Parce que j'ai commencé, ça reste à mettre sur la plateforme. Allô, professeur. Vous dites. Voilà, je dis, on peut faire soit un petit rapport. Il y a une introduction, un développement et puis une conclusion. Maintenant, bon, j'ai essayé de. Le développement. Mm-hmm. Parti. Tout bon. J'ai encore un petit rapport. Donc, moi, le groupe. Bon. Oui, en fait. Comment on appelle le wiki, c'est ce que j'ai dit, c'est comme un rapport de formation, c'est comme votre voyage à travers, c'est comme un carnet de voyage durant la formation. Vous comprenez? Oui, voilà. Oui. Donc vous racontez toutes les péripéties, même vos travaux d'équipe, ce que vous avez fait en équipe, même les petits problèmes de connexion que vous avez eu, vous les racontez. Ok. Après, vous pouvez imprimer même pour garder pour vous. Ok, compris, docteur. Bon, question?
Question? Il n'y a plus de questions? On peut avancer, docteur. Comment? On peut avancer, d'accord. Bon, après avoir fait vos dépôts de devoirs, vous avez accès à la fin astuces dans un laboratoire de chimie. Vous cliquez dessus. Là, ce n'est pas une évaluation, hein, c'est une ressource documentaire. Voilà. Donc, voici le lien des ressources. Vous cliquez dessus. Et puis, c'est comme... voilà. Ça, c'est un document PDF. Je vais vous présenter. Hein. Je vais vous présenter. Bon, ça c'est les acas d'oignons là, quand ils étaient mes premiers élèves. Acas d'oignons, vous allez bien? Parce que ce nom me dit quelque chose. Quand ils étaient encore à l'ENS, je pense que je leur ai donné ce nom. Voilà, donc c'est un de mes premiers cours de chimie quand j'étais nouvellement recruté à l'ENS. Voilà quelques astuces, quelques conseils dans un laboratoire de chimie, si vous en avez encore. Hein. On l'a dit théoriquement, mais je ne crois pas que vous en ayez encore. Donc, toute cette page-là. Voilà. Donc, vous avez ça, c'est pour vous. Vous pouvez l'imprimer pour vous. Voilà. Voilà. Et puis il y a bien d'autres choses. Les applications, les logiciels, tout et tout. Vous pouvez les télécharger. Bien, merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, on pourra passer au test en live. Vous êtes 49 en ce moment. Vous êtes 49, mais il y en a qui sont morts, quoi. Fondia Aboubakar, lui, il est là, mais sans être là. Ni micro, ni écouteur. Alors, on va aller sur les tests TTR qui se trouve dans la section B. Si vous n'avez rien à dire, vous fermez votre micro. Oh Seigneur Jésus. Si vous n'avez rien à dire, vous prenez votre micro. You are now muted. Alors, you are now unmuted. Bien. Donc, on va passer maintenant au test en temps réel. C'est ici, test en temps réel.
Je vais commencer à lancer les questions. J'espère que vous êtes connectés. Docteur, s'il vous plaît, je n'arrive pas à avoir accès à cette partie. C'est dans la section B. Et dans la section B. Bon. Je démarre avec les premiers d'abord. Ah, 16 ont répondu et 16 ont tous trouvé. Vingt-cinq ont répondu et 25 ont tous trouvé. Et alors, bonjour docteur. Ah, je suis dans la section B, mais je ne retrouve pas les exercices. C'est que vous n'avez pas fait les exercices précédents. Vous dites? C'est que vous n'avez pas fait les activités précédentes. C'est conditionné, il faut voir, il y a des conditions là-bas. Il y a les effets. Vous devrez voir. C'est écrit TTR. Vous ne voyez pas TTR? Ah, ok. Alors, il y a un qui a répondu faux. Comment CO3 peut être un atome? Ça, c'est un peu long. Voilà, les élèves ont répondu juste deux fois.
Je suis en train de travailler, hein, les filles. Alors, je pense qu'on a fini. 28 personnes ont répondu juste, 4 ont répondu faux. Et le test est fini. Voilà, si vous voulez, je relance encore une fois, mais c'est... Voilà, c'est vous qui voyez, je préfère vous laisser aller travailler. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Relancez une dernière fois, s'il vous plaît. Ça commence à vous amuser apparemment. Fandiak connaît, moi je, les autres m'entendent, hein, donc le problème à votre niveau. Bon, on relance une dernière fois, comme vous dites. Ok. Naturellement, j'ai envoyé l'appareil pour faire le jus là. Pour faire le jus de fruits, chasse-va. Il n'y a pas de problème. J'ai lancé, hein. J'espère que vous avez rafraîchi vos écrans. Hein. Voilà, tout le monde a trouvé. Trouvé, les 29 personnes qui ont participé ont trouvé. Bonjour docteur. J'écoute. Bonjour docteur. Bonjour. Oui, alors, c'est un peu de résultat. J'ai un problème avec ma connexion. Oui, donc qu'est-ce que vous voulez? Allô? Vous voulez quoi? Donc, tout à l'heure, dès que vous avez essayé de m'aider, la connexion, j'ai pas pu. Chose. Ma connexion m'a lâché en même temps. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait? C'est ce que je dis. Vous m'interrogez pour que je fasse quelque chose. Dites-moi ce que je peux faire. Parce que tout ce qui concerne votre connexion, moi je peux rien faire. Non, non, non. Tout à l'heure, vous avez dit quoi? J'ai dit quoi? Je n'entends pas. Votre connexion est naze. Allô? J'ai dit quoi? Vous avez dit Fandiakone. Ah, Fandiakone. Qu'est-ce que j'ai dit sur Fandiakone? Il a dit quelque chose. Fandiakone. Alors, vous dites que vous n'entendez pas. C'est ce que j'ai dit. Les autres m'entendent. J'ai lu. Vous avez écrit un message que vous n'entendez pas. C'est à ça que j'ai répondu. Vous avez écrit un message pour dire que vous n'entendez pas, non? Bon, il y a un problème chez vous. Allô, docteur? Oui. Bon, docteur, s'il vous plaît, on est en salle de visioconférence avec vous. Faites des exercices. Comment? À la page d'exercice. Pardon? Comment? On est en salle de visioconférence avec vous. Vous nous dites de faire des exercices. Ah non. Où je vais cliquer pour activer vos exercices? C'est comme ça, vous posez la question. Vous êtes sur un ordinateur, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, vous pouvez ouvrir un autre onglet. C'est-à-dire, onglet. Voilà, cliquer gauche pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour accéder à la page de votre cours. Cliquez gauche. Voilà, pour ouvrir dans un autre onglet. Sur un ordinateur, on peut ouvrir plusieurs onglets.
pour ça, je ne sais pas. Bon, si vous êtes sur un ordinateur, n'est-ce pas? Là où il y a le... Je suis sur un ordinateur. Il y a un bouton rouge de Big Blue Button. Là. Il y a un bouton rouge que vous voyez, n'est-ce pas? Oui, oui. Non, juste oui. À droite, là, il y a oui. Un plus. Juste à droite, il y a un plus. Oui. Là. Ah, d'accord, oui, oui. Le plus, et puis vous saisissez du web, et puis vous cherchez votre... D'accord, ok, voilà. Merci. Comme ça, vous alternez entre les deux fenêtres. D'accord, merci bien, docteur. 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 Pardon. Je vous écoute, hein. La connexion est naze chez vous, hein. Oui, docteur. Oui. C'est Touré. Oui. Ce que moi j'aperçois ici, je ne vois pas. Je vois des astuces dans un laboratoire. C'est ce que ça fait chez moi ici. Qu'est-ce qui s'affiche chez vous? Il y a des astuces pour le laboratoire, c'est ce qui s'affiche chez moi ici. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce qui s'affiche chez tout le monde? Qu'est-ce que vous voulez voir? Il y a des astuces à faire. Mais ce que la réponse qu'il vient de donner à votre camarade, là, prenez ça pour vous aussi. C'est, la même, c'est le même problème que vous avez. Quand quelqu'un pose une question, écoutez. Mm-hmm. Ouvrez une autre fenêtre. Donc, prenez pour vous la réponse que j'ai donnée au président. Non, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui ne passe pas? Je ne vois pas, je vois seulement que des astuces du laboratoire. Monsieur, il dit ouvrez une autre page. Vous êtes sur un ordinateur, oui ou non? Je veux la page. Je veux la page. Le problème, c'est qu'on ne pose pas chez moi. Je veux la page. Là, à un moment, j'essaie de déconnecter. Maintenant, si vous êtes déconnecté, connectez-vous. Je me reconnais pour voir où vous êtes, à qui vous êtes. Je vois seulement que les astuces dans le laboratoire. Oui, si vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Je sais pas à quel niveau. Vous êtes à quel niveau dans l'exercice? Puisque j'étais coupé. Il a dit, nous sommes sur TTR, test en temps réel. Oui. J'ai répondu, c'est affirmatif ce que j'ai dit. Maintenant, vous me dites oui encore. Quoi. Il dit, vous faites... Bon, on a déjà fait ça. Non, c'est fini. Il y a des problèmes, c'est fini. Ah bon. C'est fini, on attend que tout le monde, voilà, tout le monde revienne. Et voilà. Je vous demande, est-ce qu'on reprend, c'est la question que j'ai posée, est-ce qu'on reprend ou bien je vous laisse travailler? C'est sur ça qu'on nous étions quand les uns les autres posaient des questions, mais non. Ok, d'accord. Pour ça, on peut répondre. D'accord, d'accord. Je vais relancer le test tout à l'heure. Je réponds à une question de quelqu'un d'autre. Je reviens tout à l'heure. Alors, donc, je vais lancer... non, on continue, hein, parce qu'on est sur la question 3 seulement. Je continue. Question 6. Thank you.
Alors, je relance la question 5 maintenant. Voilà, 32 ont répondu, 30 ont répondu juste. CO3 moins ne peut pas être une molécule. Quatre ont répondu faux sur 29. Voilà, et c'est fini. Donc, je vous dis bonne journée et pour la suite du travail, si vous avez des questions, posez-les moi avant que je mette fin à la séance. Et chaque délégué doit faire le rapport de cette séance. Chaque délégué doit faire le rapport de cette séance. Vous n'avez plus de questions? Alors, les dernières instructions. Docteur, oui. Donne une question. Oui. C'est concernant les 6 doses à queue. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que la conception de les 6, est-ce que c'est obligatoire de mettre le graphique en annexe? Vous me rendez ce que j'ai demandé. Les consignes, là, ce que vous devez me rendre, là, j'ai une liste. Dans les consignes, d'accord, vous me rendez ce que j'ai demandé. Le reste que je n'ai pas demandé, ça c'est pour vous. C'est bon, on peut se dire au revoir. Il y a 3 délégués. Les 3 délégués, chaque... Allez-y. J'ai une question, c'est concernant aussi Dosaque. En fait, quand on finit de générer la courbe avec le logiciel Dosaque, là, le nombre de points que, quand on exporte, le nombre de points là, c'est beaucoup. Hein. Je demande, le nombre de points qu'on a demandé aux élèves de tracer là, on doit mettre tous les points. Le professeur, non, j'ai dit sélectionner des points. Est-ce que moi, il t'a dit de donner tous les points? Et toi, le professeur, c'est toi qui as l'intelligence de prendre les points clés. C'est tout cela, on note aussi. D'accord. Puis tu me donnes 100 points. D'accord, merci. Tu as la note aussi pour 100 points. Bon, ben voilà, donc je vous laisse. J'espère que... Mais je vais vous poser une dernière question. Dites-moi, vous avez fait le cours de TIC et AC, apprentissage de la chimie en ligne. Quelles sont vos appréciations? On se donne 10 minutes pour répondre. Ça, c'est une discussion à bâton rompu. Quelles sont vos appréciations? Qu'on ait fait ce cours en présentiel, en salle ou en ligne, est-ce que vous auriez moins appris? Quels sont vos sentiments? Vous avez la parole dans l'ordre. D'abord, Abdul Draman, ensuite Abdoulaye Touré, ensuite Achi Charles Anon, ensuite Akpa. Dans l'ordre, chacun prend la parole avant qu'on ne conclue. Abdul Draman ne peut pas parler parce qu'il a activé seulement l'écouteur. Bon, Abdul Draman, il est en train de réfléchir pour choisir le micro. Donc, on va répondre. Chacun va intervenir dans l'ordre et chacun aura la parole. Celui qui n'a rien à dire, il dit je n'ai rien à dire. Mais chacun doit parler.
J'ai posé des questions, j'ai dit, oui. On a fait le cours TIC apprentissage de la chimie en ligne. Alors, si on avait fait ce cours en présentiel et qu'on ait fait en ligne, est-ce que vous avez moins appris? Est-ce que vous avez moins appris qu'en présentiel? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Donc, votre témoignage avant, puisque nous sommes à la dernière séance, votre témoignage, vous avez la parole. Le son est mauvais, vous pouvez écrire. Le son est mauvais, vous pouvez écrire. Il y a une zone de texte là, vous pouvez saisir. Vous pouvez rapidement écrire vos impressions. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un long texte avant d'envoyer. Par petits morceaux, vous envoyez au fur et à mesure. C'est dans l'ordre, hein? C'est dans l'ordre. C'est Abdoul qui a la parole. Les autres, attendez. C'est Abdoul qui a la parole. Sylvain, attendez. C'est Abdoul qui a la parole. Les autres, attendez. On ne veut pas de désordre. Lafana Keïta, attendez. Voilà, vous n'avez pas la parole. Abdoul, il faut écrire. On ne vous entend pas. Écrivez. Abdoul, écrivez. Oui, professeur. Allô? Écrivez, Abdoul. Allô, professeur. Vous écrivez dans la zone de texte. Oui. Oui, il parle partout en live. Comment? Bon, c'est pas dire. Comment? Tu m'entends le portable pour écrire. La partie, avec un portable. Oui, j'avais un portable. Il faut parler rapidement. Le réseau est bon actuellement. Parlez bien. Oui, parlez rapidement. Il faut dire qu'au début, il y a un problème de connexion. Bon, dans la salle, c'est bon. Là, du coup, c'est très bien. D'accord. Est-ce que vous avez appris plus? Est-ce que vous aurez mieux appris en présentiel? Est-ce que même à distance, vous avez appris des choses? C'est de ça que je parle. Parce que l'objectif ici, c'est d'apprendre. Oui, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Il y a des choses que je viens de connaître que je ne savais pas avant. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. Alors, Abdoulaye Touré a la parole. Merci à vous. Abdoulaye Touré a la parole. Oui, allô? Abdoulaye. Moi, je peux dire que vraiment, avec cette méthode-là, j'ai vraiment appris à faire des recherches même, à découvrir même l'informatique, d'autres données, d'autres domaines de l'informatique. Ils ont été limités seulement aux réseaux sociaux. Avec cette nouvelle méthode, on apprend plus au-delà même de la chimie. On fait de l'informatique aussi. Et ça nous permet aussi, comme il a dit, de faire des recherches. En tout cas, ici pour. D'accord. Et puis sur le plan social, ça nous aide aussi. Oui. Vraiment, aller à tous se retrouver à Abidjan, vraiment, c'est coûteux pour nous aussi. Merci beaucoup. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Merci, M. Abdoul Touré. M. Achi Charles Anon, vous avez la parole. Docteur, j'aimerais être franc avec vous. J'ai beaucoup appris concernant le contenu, mais c'est la maîtrise de l'outil informatique qui fait défaut. Merci. D'accord. Alors, je vais juste poursuivre avec Achi un peu. Au niveau de la maîtrise de l'outil informatique, est-ce que vous auriez apprécié que sur votre formation en annexe à côté de ce que nous avons de façon normale à l'UNS, vous aurez voulu? Oui, mais j'aimerais. D'accord. Concernant les coûts de mise à niveau de l'informatique, en tout cas, je suis partant pour ça. D'accord. La plateforme du web sur laquelle vous suivez le cours actuellement organise chaque vacances scolaires une formation qu'on appelle CERTEL, certification e-learning. Oui. Voilà. Et donc, il y a eu 300 de vos condisciples qui ont participé. Il y a eu 300 participants. Oui. La majorité, c'était vos condisciples. Il y avait des civils qui ont participé pendant les vacances de Noël. Ils ont tous apprécié. Ils ont reçu des certificats. Mm-hmm. Je vais vous afficher justement un certificat qu'ils ont eu ici. Alors donc, c'est pour dire que les vacances de Noël approchent et les vacances de février approchent et vous pouvez participer, vous inscrire aussi dans ce programme-là pour renforcer vos capacités en TIC. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, le suivant se connaît, hein, parce que c'est une liste verticale, là. Le suivant se connaît. Après Achi, c'est Akpa. Akpa. Hein? Prenez, activez. Ange n'a qu'à activer son micro. Asumu n'a qu'à activer ton micro. Akpa. Activez votre micro. On a besoin de votre témoignage. Oui.
Quand je regarde la liste, les noms que vous citez, mon nom se retrouve en haut même de l'administrateur, votre nom. Ah, ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas prendre la parole? Non, prenez la parole. C'est vous qui devez prendre la parole avant. D'accord. Bon, ok. Bon, je voudrais, si c'est possible, de participer en même temps. D'accord, allez-y. Vous avez déjà la parole. Allez-y. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai apprécié le contenu du cours. Bon, j'avoue qu'au début, c'était difficile avec la connexion et puis la maîtrise aussi du logiciel, des sites de connexion. Il y a eu des difficultés. La première séance, comme ça, j'ai raté, mais comme je me suis renseigné avec des amis, mais le reste, j'ai pu suivre. En tout cas, le contenu est bon. D'accord. Est-ce que vous avez moins appris que si on était en présentiel? Est-ce que vous avez moins appris? Non, le contenu, je crois que c'est pas moi. Non, certains, je pose la question parce que certains disent non, c'est mieux quand on est en présentiel, ils apprennent mieux. Je veux dire, le fait que vous soyez à distance, est-ce que ça... Bon. Est-ce que vous avez moins appris? Non, si on est à distance, ça nous permet aussi d'éviter certaines choses, mais je crois que le contenu est bon. C'est la gestion de l'outil et puis la connexion Internet, les gens se plaignent beaucoup de ça. D'accord. Okay. Non, le contenu même du cours, je crois que c'est bon. Ok, merci. Alors, le suivant. Après, à quoi et à Ange, mais ils ont leur écouteur. Activez le micro pour parler. Sinon, avec l'écouteur, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez que écouter les autres. Là, en ce moment, je parle de Ange, à quoi et autres. Allô? Oui. Docteur, oui, merci beaucoup pour le bruit de fond. Je suis dans un véhicule, dans un car. Oui. Moi, je travaille mon IVA. D'accord. Je suis dans un café à la pluie chez lui. Je suis un car comme ça pour parler sur Abidjan. D'accord. Donc, en deux temps, pratiquement, on dit que le contenu est maximum. Voilà. Non, c'est si n'arrive pas à faire des exercices. Alors, oui. La connexion est pas. Imagine de partir. Et en deux, trois mots, qu'est-ce que j'ai retenu? Oui. Mais disons, pourquoi quelqu'un parle au moment où il est en train de parler? Respectez vos collègues. Respectez vos collègues. Quand vous êtes en train de parler, vous vous taisez. Oui. Attends, exercice là, c'est dans la partie A, introduction, B, contribution des éthiques. C'est qui ça? Qui parle là? Dans l'apprentissage. Qui vous donne la parole, vous qui parlez là, c'est qui? Ouais, tu dis l'exercice est dans la partie A. Qui vous a donné la parole, vous qui parlez là? Oui, est-ce que vous avez fini, vous qui êtes dans le cas? Vous avez fini? On était à qui même à ce niveau? On était à qui? Allô, docteur. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour. Oui. J'écoute. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Quand vous ne pouvez pas parler dans le cas, quand vous ne pouvez pas parler, écrivez. Oui, allez-y, oui. Je vous entends. Parlez, oui, vous avez la parole. Oui. Allô? Parlez, c'est vous qui avez la parole, c'est pas moi qui faut entendre. Parlez, les autres, quand vous écoute. Ok. Oui, vous m'entendez maintenant? Je vous entends. Allô? Parlez. Voilà, j'ai dit c'est Moriba qui avait la parole. Allez-y. C'est Moriba qui avait la parole, c'est lui qui était dans le cas. Je suis là. Finissez. Moriba, finissez, on va passer à autre chose. Donc, je disais,
le contenu est déjà bon. Maintenant, en 2-3 mots, qu'est-ce qu'on doit retenir maintenant de cette formation-là? Qu'est-ce qu'on doit retenir en un mot? Merci, docteur. La question qu'on vous a posée, c'est vous. Ici, l'objectif, coupez votre micro, coupez votre micro, puisque vous avez fini de parler. L'objectif du cours ici, c'est de faire un lien entre les technologies de l'information et de la communication et l'apprentissage de la chimie. Et donc, on peut apprendre la chimie en faisant usage au TIC. Et c'est en cela que moi, j'ai essayé de maximiser cela pour que tout soit fait à distance. Et vous avez vu que finalement, vous avez vu que vous avez fait des activités d'apprentissage en chimie. Vous avez vu qu'en chimie, on ne peut pas parler de chimie et de physique sans faire de TP. Vous avez même vu des activités expérimentales. Donc, l'enseignement de la science, de la physique et de la chimie, c'est en même temps le savoir théorique et le savoir pratique. On a fait les deux. Et c'est ce qu'on a fait qu'on vous donne de retenir. Et c'est ce que je vous demande aussi de le dire. Et vous le dites brièvement ici, mais vous serez plus explicite dans votre wiki collaboratif. Dans votre wiki, vous serez plus explicite, plus exhaustif dans vos descriptions. Merci. On continue. Après Moriba, c'est qui? Chacun connaît son tour. Hein? Chacun connaît ton tour. Après Moriba. Ok, docteur, s'il vous plaît. Oui. Mon nom, c'est Bamba Ibrahim. Oui. Moi, personnellement, malgré la distance, que ce soit en présentiel ou en ligne, je n'ai pas eu de difficultés. Et j'ai vraiment apprécié le cours, franchement. C'était bien clair et compréhensible. Merci beaucoup. Donc, c'est tout ce que j'ai appris. Merci beaucoup. C'est M. Ibrahim, c'est ça? Oui, oui, Bamba Ibrahim. Merci beaucoup, M. Bamba Ibrahim. Alors, on passe au suivant. Chacun connaît son tour. Hein? Après, Bamba Ibrahim qui parle. C'est après ça qu'on va mettre fin à la séance. Normalement, ça devait être rapide. Hein? Bon, mais... Allô, docteur. Oui, allô, c'est qui? C'est M. Nélé, oui. C'est David. Oui. Je pense qu'avec cette méthode d'enseignement, la chimie viendrait beaucoup plus facile pour nos élèves. Vu que les écoles sont totalement dépourvues. C'est ça. Et je pense que c'est une très bonne question depuis 2014, je pense. C'est ça, exactement. Et courage dans cette voie. Merci. Afin que cela soit vulgarisé. Merci. Dans le pays. Merci beaucoup, M. Mené. Merci beaucoup. Alors, bon. Je pense qu'il s'agissait, tout le monde ne peut ne pas parler, mais celui qui a envie de parler, qu'il parle avant que je mette fin à la séance. Vous êtes jusqu'à 41 personnes, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Mais je donne encore 5 minutes, celui qui veut parler, qu'il parle, avant que je vous dise au revoir. Oui. Allô, 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 docteur. Oui, c'est Kofi Hervé. Oui. Oui, vraiment, merci infiniment. Merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire, parce que vraiment merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne l'intelligence de parfaire tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que tant que nous, on apprend et il n'y a rien qui est perdu. Au contraire, on gagne plus même. Parce qu'il y a des explications individuelles. Il y a, sincèrement, que Dieu vous bénisse. Merci. Et que tout le monde fasse autant de formations comme ça. Ça va vraiment nous arranger. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kofi Emmanuel Hervé. Merci, merci. Alors, s'il y a plus de... Allô? Allô? Allô, oui. Moi, j'ai vraiment aimé ces cours en ligne. Mais j'ai actuellement un souci, mais c'est que c'est de mon fait. Je n'ai pas encore maîtrisé le logiciel d'Ozaque. D'accord. C'est là, c'est une question. Non, sincèrement, je n'ai aucun problème avec les autres parties. D'accord. Mais, vraiment, je tiens à vous remercier vous aussi pour le temps que vous nous accordez. Merci beaucoup, madame. Je vous conseille de lire les deux vidéos tutoriels là. Il faut les réécouter plusieurs fois. Il faut les réécouter plusieurs fois. Voilà, ok. J'ai tout expliqué dedans.
Mais ça n'empêche pas que, en dehors du temps de cours, ça n'empêche pas que vous me contactiez pour plus d'explications. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Allô, docteur. Allô, docteur. Oui, monsieur Marius. Allô? Oui, monsieur Marius. Oui, oui, ce que moi je voulais dire, c'est que on a au début nous étions sur les appareils, le téléphone, les tablettes, mais ça a été difficile un peu de répondre les en temps réel. Voilà, donc il s'est imposé la capacité d'avoir un ordinateur tout de suite. Bon, voilà. On a pas cela, on a beaucoup appris. Et puis bon, hier on a eu un peu quelques inquiétudes quant à votre message dans le WhatsApp. Est-ce que à penser que vous étiez combattu un peu ou bien pas. Ça c'est entre nous, je ne vais pas vous impliquer dans ça, mais en même temps, puisque ça joue sur votre formation, il fallait que vous soyez informé, c'est ça. D'accord. Maintenant, pour le 7 de février, là, nous serons en combo dans la période des congés de février. Ah, d'accord. Bon, je voulais savoir, on pourra plus participer en Noël. On voudrait bien le faire, ouais. Mais est-ce que ça ne va pas gêner? Non, après voilà, votre compo, on peut proposer après votre compo. Ça veut dire qu'on n'a qu'à s'adapter à l'UNF. D'accord, ok. Vous voyez, non? Il suffit simplement qu'on ait une fourchette de compo. Et puis maintenant, juste après la compo, vous ne faites pas cours. Puisqu'on doit corriger les copies. Donc après la compo, vous... Voilà, d'accord. On commence. C'est-à-dire que si j'ai une idée claire de votre date de compo, comme ça, le lendemain ou 22 jours après la compo, on commence le CRPL. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Alors, bon, merci beaucoup. Je pense que plus personne n'a besoin. Je vous comme je vais la composition là. Faut une idée de ce qu'on va faire comme examen quoi, concernant mon cours, vous êtes déjà en examen. Oui. Concernant mon cours, puisque c'est une pratique, donc les notes de pratique, que ce soit d'examen ou bien de contrôle continu, sortiront de ce que vous êtes en train de faire. Dans ce que vous êtes en train de faire, il y a beaucoup d'activités là. Donc je prends une activité comme contrôle continu et je prends une activité comme examen. C'est bon? Suivant. Il est parti. Suivant. Monsieur Zamblé, Monsieur Zaté, c'est bon? Monsieur Pekena Koulibaly a parlé. Voilà, okay. Monsieur Pierre Guy a parlé. Bon, je vous dis au revoir. Je pense que ça fait un moment que nous travaillons. Je vais vous laisser aller poursuivre votre travail. Et à bientôt. Au revoir. Je m'ai fait à la réunion. Et bien, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Bonne suite. Déposez vos devoirs. Travaillez dans vos portfolios wiki collaboratifs. Déposez vos devoirs au plus tard le lundi prochain. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Ok, merci beaucoup.